Votre réaction à choix, bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est dit tout autour de votre nom. Bon, ce qui s'est dit, je n'ai rien à dire. On est enfant de Dieu, n'est-ce pas? On est enfant de Dieu et moi, je n'ai rien à dire. Nous tous et les gens qui parlent, ce n'est pas les païens qui réagissent, ce sont les chrétiens. Moi, quand il y a le combat qui s'élève dans la saison, quand tu marches avec Dieu, tu ne rencontreras pas le diable pour te combattre. Et disons, quand tu marches avec le diable, pardon, tu ne rencontreras pas Dieu pour te combattre. Mais quand tu marches avec Dieu, tu rencontreras des gens qui vont te combattre parce que tu es avec Dieu. Moi, s'il n'y avait pas ces combats, j'allais commencer à me poser beaucoup de questions. Mais quand je sens les contestations, ça me rappelle. Ah, Zamouana Charpentier, Azabet Zeboul, Azamouana Charpentier, Azabet Zeboul. Ouais, ça me rappelle ces choses et ça me fait du bien comme vous ne pouvez pas imaginer, papa. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et la connaissent. Le brebis de Dieu, le vrai brebis de Dieu, quand Dieu parle, savent que oh yazamoana nzambe, oh yazamoana nzambe. Ah, vous voyez l'état où se trouve ça, ma Bible. Ça date. Hein. Ah, cette Bible a une histoire. Cette Bible, il y a même des écrits, vous allez voir partout, il y a des écrits. Cette Bible a toute une histoire. Je sais d'où je viens avec mon Dieu. Et je sais ce qui me rappelle cette Bible. Tout le monde, d'entrer en prière. Parce que pour moi, c'est une distraction. Bossa la bénition, tourner les émissions. Dites même que c'est moi, Lucifer. L'activité du 4, la guerre de l'Est doit s'arrêter. Amen. Vos émissions ne m'empêchera pas d'accomplir la mission que le Seigneur m'a envoyée. Je vais le faire, j'irai jusqu'au bout. Je prierai pour mon pays, je prierai pour des familles qui sont en captivité. Si cela coûtera ma vie, je suis prêt. Donc je n'ai pas le temps à ça. J'ai le temps, mais tu as un problème. Oh, on a un problème à Mukanda, j'ai le temps pour toi. On a un problème dans Obotate, j'ai le temps pour toi. Guerre na Est, j'ai le temps pour ça. Mais j'ai Mutumura Finga et prophète Fulgence. Je n'ai pas le temps pour ça. Non, ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas la haine. Il y a d'autres combats. Dieu lui-même suscite ce genre de combats. Dieu sait que le prophète Fulgence n'aime pas le média. J'aime pas le média. Alors il faut que chaque jour au moins article moi et bimala comme le prophète Fulgence pour que son nom reste dans l'actualité. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite des gens. Bon. Les gens pensent que je suis là pour me faire un nom. Je ne suis pas là pour me faire un nom. Je ne suis pas là pour me faire un nom. Je suis là pour servir mon Dieu. Et rien ne m'empêchera de servir mon Dieu. Mais rien ne m'arrêtera de faire ce que Dieu me demande de faire. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokoni ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazali na ba problème ya ba hémorroïdes internes tout comme externes, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerfs sciatiques, gouttes, règles douloureuses, glaucome. Vision floue, moto passe intense, sinusite. Ah ouais, la zone à Katia laboratoire. Ah, on débisque à la séchaka, la plante.
banzete ba makasa ndenge na ndenge devant la nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka pêcheur, avenue Mai Ndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et singo na biso. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps. Nous vous proposons un divertissement très modéré. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache NTV, Nouvelle Tendance Télévision. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Certains ont choisi d'être avec nous la nuit, également un bon nombre nous regarde pendant le jour. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. À la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé. La réalisation est assurée par John Anzouzi et Jordan Panze. Donc, vous savez, cette équipe que nous allons certainement travailler. Quand vous le savez, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement sur votre chaîne. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge, s'abonner. Touchez une fois, allez juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez toute notification. Une fois sur toute notification, vous êtes compté parmi nos abonnés. Clin d'œil spécial à tous nos partenaires, Maman Marie M5, celle que représente la fondation Nélé au cœur de la nation, et l'orphelinat famille du cœur Christ Rédempteur qui est déjà disponible et qui a mis déjà toute cette porte à votre disposition. Vous voulez soutenir ces enfants orphelins qui n'ont pas de parents, ceux qui manquent bien sûr de quoi manger, de quoi se vêtir. Vous pouvez nous faire confiance. Venez nombreux et nous allons vous recevoir. Alors, nous allons prendre les images de l'orphelinat et on se retrouve tout juste après. Suivons. Ngaye kombo ngaye Arcel nga na banda ko fanda na Kimbwala na avenue source numéro 3 na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama ngaye kombo na mama to ye pe place akenda na ebate sikoyo na vanda ko fanda na maleki na ngai nde mamaleki na ngai abenga ngai ndoki ke ngai nde na boma yaya na bangwa kufa aebisi ngai ameminga na eglise ba ebisi yake ngai nde na zandoki ngande na boma yaya na bango abenga na ngai na ndako nde abenga na ngai na ndako lobi nde tokutanaki. Tokutana na papa Glody mwana naye tobande kole kangana muninga nangana nino nakamunganga tobande kole siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu naba nao mibale ayebinga na lala na balabala ame mangai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelina mwaboy mema bango mibale kuna nde abenga ebiso atuni biso bolala na balabala wito ndimi toza na orfelina na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na papa lendele nzamba pambola ye abakisele ya mingi nzamba pesa ye long vie asunga biso tokoma otanga avongi savi na biso toko ma otanga. Osuka na place. Nga nasuka na 3e primaire. Oza aposa basela ngai. Nana aposa basunga ngai nazonga na classe nazonga otanga. Kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abota nga kufa. Depuis que mon bébé, maman, je suis allée à ma balle à Pamba. Je suis merci. Je suis allée à la maison. 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 Je suis allée Banaki, n'aikola kokoma pe, nakoma pe un jour vie. Nakoma mutu pe nakacha batu. Nyangonde babengana ngai.
Nous sommes de retour sur ce plateau. Infiniment merci. Tout le monde en parle. De quoi est-ce qu'il s'agit? De ce grand projet qui est Madjabou Gospel Talent. Donc je crois que c'est déjà un projet où il y a plusieurs langues tout autour de cela. Et nous allons voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que réellement Madjabou Talent a à voir avec le monde mystique? Est-ce que ce projet, c'est un projet qui réellement vient pour l'édification de l'église de Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'au sein des églises, il y a des talents. Nous devons, c'est vraiment clair. Il y a des talents et il y a des gens qui ne savent même pas quoi faire avec leurs talents. Mais s'il y a quelqu'un qui se porte garant, qui se dit, bon, moi, je mets le moyen pour enfin aider ses enfants, est-ce que c'est mauvais? Tout le monde parle, chacun a sa manière de voir les choses. Est-ce vraiment Madjabou Gospel Talent? C'est déjà un projet qui vient d'un occultiste ou qui vient de quelqu'un qui n'a rien à voir comme relation avec le Seigneur. Nous allons le découvrir. C'est déjà une émission dossier que nous allons commencer à partir de demain. Soyez prêts, attachez vos ceintures. Vérité, des vérités. Tous les coups sont permis, sauf les injures. Et toi qui es derrière, je ne sais pas, et certaines personnes pour chercher, vouloir salir le projet des autres. Demain, je vais exposer et les noms. J'ai dit bien et les noms. Les artistes qui sont en train de constituer ces collèges de jury, c'est quoi les problèmes avec eux? Dans cette émission, bien sûr, à partir de demain, vous aurez plus de détails en ce qui concerne ces grands projets. Je suis journaliste, je resterai impartial au milieu du village. Je ne serai ni de la partie X, encore moins de la partie Y. Nous avons un réel plaisir d'avoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, un serviteur de Dieu qui a une manière assez particulière de parler. Depuis un certain temps, il fait la une d'actualité. Il s'agit du prophète Paul Fulgence Nkoussou qui dirige l'église Emmanuel Rafa Tchetch, également le visionnaire de MPD, ministère La Main Puissante de Dieu. Il est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous aurons touché plusieurs points. C'est vrai, plusieurs questions derrière que les gens posent concernant le prophète. Et aussi, il va nous répondre par rapport à ces grands événements que nous sommes en train de préparer, que nous attendons d'ailleurs tous le 4 juillet à Chobez. Comment les choses évoluent? Clin d'œil spécial à Marc-Olivier Mouk également qui vient de faire son entrée. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain, merci beaucoup. Ça va? Ouais, ça va très bien. Et déjà, rien qu'à vous voir, j'ai l'impression comme si... comment vous gérez d'abord tout ce qu'il y a comme tension tout autour de votre nom? Tension? Oui. Il y a une tension tout autour de mon nom. je croyais que vous allez poser la question, comment gérez-vous l'église, les chrétiens de la diaspora, et puis le soutien pour la FARDC? C'est ce qui me prend la tête. Cela viendra. Ça viendra. Mais du moins, ouais. Prophète Paul Fulgence Nkoussou. Ouais, ouais. Vous êtes très suivi d'ailleurs, puisqu'il y a un bon nombre de gens qui attendaient déjà cette émission. Okay. Un message à tous ceux-là qui sont en train de vous suivre. Ah, merci, merci de nous suivre, merci de nous faire confiance. On est là parce que Dieu veut que nous soyons là et on sert Dieu. Rien ne va nous séparer de son amour, peut-être l'enlèvement ou la mort. Donc voilà, on est là, on continue et on sert Dieu. Merci à vous pour votre soutien. Merci beaucoup, prophète. Je crois, d'ailleurs, tout à l'heure, je venais de parler de ces grands projets qui est Gospel, Madjabou Gospel. Déjà, et c'est un grand projet que nous tous, nous observons de loin. Mais moi, je me suis dit, il y a plusieurs bouches tout autour de ces projets. Moi, je me suis décidé, enfin, de faire des investigations par rapport à ces projets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vrai? Ceux qui dirigent Madjabou sont des dieux. Est-ce que c'est une vision qui cadre avec le Seigneur ou qui cadre avec le monde satanique? Vous êtes prophète. Vous avez déjà jeté un coup d'œil sur le Madjabou Gospel? Oui, bien sûr. Quel regard avez-vous par rapport à ces D'abord, je bénis Dieu pour le projet Madjabou Talent.
Vous savez, aujourd'hui, le problème avec moi, quand je dis quelque chose, et même si mais je vais le dire quand même. Le projet Majab, où il y a un pasteur avec qui je parle bien, je l'avais donné le projet. Ce que Majab fait aujourd'hui, moi j'en avais donné à un pasteur qui a une chaîne aussi. Okay. Je l'ai dit, voilà, l'année 2021 commencera par ça. Je vois les artistes et musiciens et tout, si toi tu as une chaîne, fais ces projets. Parce que ces projets viennent de Dieu. Okay. Je crois le pasteur, le propriétaire de chaîne Parole TV. Le pasteur, okay. Prophète Amos. Yannick Amos. Je l'avais parlé de ses projets. Vous voyez, bon, avant Majab n'existait pas encore. Bon, lui, il ne l'a pas fait. Et après, Majab l'a fait. Déjà, moi, comme Dieu me l'avait dit avant, qu'il y aura quelque chose qui va influencer le milieu chrétien, surtout côté musicien. Dieu me l'avait dit. Moi, je suis allé partager avec Yannick Amos. Yannick ne l'a pas fait, Majab l'a fait. Pour moi, déjà, Majab vient de Dieu. Okay. Parce que moi, je l'ai vu en vision. Je ne connais pas qui est derrière Majab, qui est le propriétaire de Majab, qui est, je ne vois que le frère Mike, le pasteur Mike Alambaï, la sœur Sandra Mbouy et les autres. C'est santé que je connais. Donc, pour moi, déjà... Et puis, c'est visible, papa. À moins que tu sois sorcier, c'est visible que Majab, c'est une vision qui vient de Dieu. Vous voyez? La vision peut venir de Dieu. Peut-être les gens qui gèrent la vision peuvent aussi s'embrayer. Mais la vision, Majab, c'est une vision qui vient de Dieu. Moi, quand je suis à la maison, je n'ai rien à faire. Je lis la Bible, je prie. Je parle avec mes amis, mes frères, ou sinon, je suis devant Majab. La seule chose que je regarde à la télé, c'est Majab. Okay. Je ne regarde pas les infos, je regarde Majab. Et puis, il y a une sœur qui est à Majab là. Je l'ai même publiée hier sur mon statut. Elle s'appelle Faver Moukoko. Je l'ai dit comme étant prophète. Je l'ai dit, je les répète. Ceux qui me suivent, Faver Moukoko. Et une bombe à retardement, dans le bon sens. Okay. Dans le bon sens. Vous voyez comme des mamans l'or ont pris ces pays en otage dans l'adoration, tout le nom que nous connaissons, cette flèche est en train de monter. Les directeurs de Majab ou les gens qui sont derrière Majab, cette dame a quelque chose de particulier. Et bientôt, elle va exploser dans la ville de Kinshasa. Après, les gens vont encore dire le prophète n'avait pas dit ou bien le prophète, il fallait aller à Majab pour prophétiser. Ça, je c'est... l'ai dit, voilà. Donc, je crois que la nouvelle va arriver à Majab. La sœur Faver, je ne la connais pas. Je l'ai vue une fois de toute ma vie. Et le jour où je l'ai vue de loin, j'ai dit à la personne qui était à côté de moi, cette dame-là, elle n'a pas chanté. Je ne l'ai pas vue en train de chanter. Je l'ai vue, la chorale, elle était là dans la chorale avec tout le monde. Et j'ai dit, cette dame-là a la chose de Dieu. Et bientôt, Kinshasa en parlera d'elle. Quelques temps après, je l'ai vue à Majab. Et j'étais très content et j'ai continué à prier pour elle. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, nous fermons cette parenthèse. Je crois que nous allons... Donc, j'insiste, Majab, les Congolais, c'est ça notre problème. On n'aime pas voir quelque chose... exploser dans le bon. Et surtout dans le milieu chrétien. Chrétien, bien sûr, parce que c'était un milieu qui était très renfermé et puis très, très isolé. Il y a l'hypocrisie qui joue un peu plus là. Il y a des talents, mais qu'on exploite même pas. Il faut laisser cette histoire. Moi, Majab, si les gens qui croient en moi étant serviteurs de Dieu, envoyés par Dieu, je prends en témoin le pasteur Yannick Amos, le propriétaire du chaîne Parole TV. Parole TV, moi et le pasteur Yannick Amos, on a parlé de ces projets que Majab a fait. Je vis même, il avait commencé, mais ça, apparemment, il n'a pas donné plus d'énergie. J'ai même posé la question au pasteur si c'est lui qui avait donné le projet. Il a dit que ce n'était pas lui. C'est pour dire que, dans la Bible, Dieu va susciter ma banga. C'est-à-dire, quand le pasteur Amos ne l'a pas fait, comme c'était un projet venant de Dieu, c'était dans le plan de Dieu, Dieu a suscité les gens de Majab de le faire. Okay. Maintenant, pourquoi on va combattre? C'est ça le problème. Fais attention. Tu combats l'œuvre, tu penses combattre
Majabu, mais tu combats Dieu qui a donné ces projets. C'est ça le problème avec nous, Congolais. Donc voilà, nous revenons à... Merci, merci beaucoup. Alors je crois que nous continuons avec les investigations. Déjà, et les autorités, le dirigeant, je ne sais pas, de Madjabou, la structure, je crois que nous allons introduire une lettre parce qu'il faut, faudrait qu'il y ait quand même un regard assez particulier par rapport à tout ça. Parce que dans le milieu chrétien, il y a toujours des histoires. Et je parie qu'il y a toujours des pasteurs derrière cette histoire. Des gens qui veulent détruire le projet, tout ça. Il y a toujours des gens, des prophètes, des pasteurs, des chantres. Il faut faire très attention. Moi, je ne garde pas ça. C'est-à-dire que je citerai même les noms. Il faut faire très attention. Si réellement Madjabou est de Dieu, que Dieu nous le prouve. Et si Madjabou n'est pas de Dieu, je crois que quand vous parlez au nom de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Posez la question au Seigneur si c'est vrai. Et puis nous aurons la réponse au lieu de nous exposer votre intelligence humaine, votre ignorance, comme a toujours dit le prophète Jones. Soit on expose sa connaissance, soit c'est son ignorance qu'on expose. Et ce que vous êtes en train d'exposer maintenant, je ne sais pas ce que vous avez dit. Moukinoki, moutemamabe, tonini. Prophète Fulgence, merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois que nous fermons cette brèche. Nous parlons, tout le monde parle de vous, mais depuis un certain temps, Prophète Fulgence, chaque passage, il y a toujours en retour quelqu'un qui passe pour contredire, quelqu'un qui passe. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il est sous observation. Je me pose la question. Si vous êtes de Dieu, pourquoi ne pas poser directement à Dieu la question de savoir si réellement il est de Dieu ou pas? Prophète Fulgence, quelle réaction, votre réaction à choix bien sûr, par rapport à tout ce qui s'est dit tout autour de votre nom? Bon, ce qui s'est dit, je n'ai rien à dire. On est enfant de Dieu, n'est-ce pas? On est enfant de Dieu, moi je n'ai rien à dire. Nous tous et les gens qui parlent, ce n'est pas les païens qui réagissent, ce sont les chrétiens. Nous tous, nous dépendons d'une Bible, de la parole de Dieu. Alors, si tu ne comprends pas ce que le prophète Fulgence fait, demande à Dieu. Demande à Dieu. Va en prière, même les gens qui me suivent. Je sais que vous avez suivi des émissions, vous avez suivi mes émissions, vous avez suivi beaucoup des émissions. Les gens en train de parler, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est les combats de la saison. Vous voyez. Certains combats sont des opportunités. Certains combats, vous savez, quand Goliath s'est levé devant le peuple d'Israël, certaines personnes voyaient Goliath comme étant un obstacle, mais David voyait Goliath comme une opportunité. Moi, quand il y a le combat qui s'élève dans la saison, quand tu marches avec Dieu, tu ne rencontreras pas le diable pour te combattre. Et disons, quand tu marches avec le diable, pardon, tu ne rencontreras pas Dieu pour te combattre. Mais quand tu marches avec Dieu, tu rencontreras des gens qui vont te combattre parce que tu es avec Dieu. Moi, s'il n'y avait pas ces combats, j'allais commencer à me poser beaucoup de questions. Mais quand je sens les contestations, ça me rappelle. Ah, Zamwana Charpentier, ça me rappelle ces choses et ça me fait du bien comme vous ne pouvez pas imaginer, papa Alain. Ça me fait du bien. Surtout quand il publie ça sur YouTube. Il dit, partagez, partagez. Quand il partage, les gens qui ne me connaissaient pas profitent encore découvrent. Okay. Voilà, donc ils sont en train de m'aider. Moi, je n'aime pas le média, mais il y a des gens qui payent de leur argent, qui passent leur temps à faire la publicité pour moi. Et je dis juste merci à eux. Mais la chose que je peux demander, qu'ils ajoutent, même ceux qui nous suivent, je ne te dis pas de croire en moi ou de ne pas croire en moi. Consulte ton Dieu. Si ton Dieu te dit crois au prophète Fulgence, crois en moi. Si ton Dieu te dit ne crois pas, tu es libre de me laisser. De me laisser. La Bible dit mes brebis entendent ma voix et la connaissent. Le brebis de Dieu, le vrai brebis de Dieu. Quand Dieu parle, savent que vous comprenez? Le brebis connaissent la voix de Dieu. Alors le brebis de Jésus qui nous suivent vont savoir si c'est Dieu qui parle par moi ou ce sont d'autres forces. Je ne sais pas leur dire que c'est Dieu. Je ne sais pas leur dire que ce n'est pas Dieu. Et même ont l'esprit de discernement. Et même connaissent la voix du Père, la voix de notre Dieu. Batou Nanzambe.
Est-ce le prophète Fulgence marche avec Dieu ou ne marche pas avec Dieu? Je préfère que cette réponse provienne de vous. Et je pose la question, ou je l'ai dit aussi à tous ceux qui sont en train de faire des émissions. Passez une mission. Dites, j'étais en prière. Est-ce que quelqu'un peut me donner ma Bible? La Bible? Ma Bible à moi. Non, ma Bible à moi. Quelqu'un peut prendre. Ouais. Passez une mission. Dites, j'étais en prière. J'ai prié le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et la terre. C'est lui qui a envoyé son Fils unique Jésus-Christ à Koufan et Koulous. Et le Dieu là Tout-Puissant m'a dit que le prophète Fulgence n'est pas de Dieu. Si tu l'as dit, Dieu t'a dit. Donnez-moi ma Bible, mon frère. Si le Dieu que tu prêches. Mais, ah. Vous voyez l'état où se trouve ça, ma Bible? Ça date. Hein. Ah, cette Bible a une histoire. Cette Bible, il y a même des écrits, vous allez voir, partout il y a des écrits. Cette Bible a toute une histoire. Je sais d'où je viens avec mon Dieu. Et je sais ce qui me rappelle cette Bible. Vous savez, quand je vais aux États-Unis, quand j'arrive, la première des choses qu'on me demande, où est ta Bible? Somba ba Bible za wa ba iPad ba ninga ba sel iPad. Moi j'utilise ça parce que j'ai une histoire avec ma Bible. Rien ne m'empêche d'aller d'acheter la même version et tout, mais si j'utilise cette Bible, je prêche avec cette Bible parce que j'ai une histoire avec cette Bible. C'est pourquoi je demande à tout le monde d'entrer en prière, parce que pour moi c'est une distraction. Bossala émission, tournez les émissions, dites même que c'est moi Lucifer. L'activité du 4, la guerre de l'Est doit s'arrêter. Amen. Vos émissions ne m'empêchera pas d'accomplir la mission que le Seigneur m'a envoyée. Je vais le faire, j'irai jusqu'au bout. Je prierai pour mon pays, je prierai pour des familles qui sont en captivité. Si cela coûtera ma vie, je suis prêt. Mais vos émissions ne m'arrêteront pas. Mais bino, bosambe la nzambe, oto teak, le Dieu que nous prêchons, le Dieu de la Bible, le Créateur du ciel et de la terre, à répondre, bino, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes prophète, prophétesse. Si Dieu, pas vos analyses, il a dit l'ay, alobaki l'ay, que Dieu que vous priez là, alobé la bino. Et si ce Dieu-là vous dit que je suis un occultiste, où je travaille avec le force de sirène et tout. Les Kana TV, Sala émission, Loba. Dites, Dieu m'a dit. Fulgence Koussou, c'est un magicien. Dieu m'a dit. Fulgence Koussou, c'est un occultiste. À moins que je ne sois pas appelé par Dieu. À moins que je n'ai pas servi Dieu de toute ma vie. Et ce Dieu-là sera juge entre moi et vous. Si moi je suis occultiste, Dieu va me punir. Mais si je ne le suis pas, le reste sera entre les mains de Dieu. Ça, c'est très profond et puis ça craint. Hein? Ça craint. Je crois que j'ai toujours dit que nous devons faire très attention. Il y a des gens. Veiller sur ce que nous faisons, ce que nous disons. Moi là, papa Alain, peut-être il y a des gens qui me suivent, qui m'ont connu depuis mon enfance. Moi, mon père m'a tabassé en plein culte dans Oteyayesu. Vous voyez d'où je viens avec Jésus. Aujourd'hui, si ma famille est une famille chrétienne, moi, je payais le prix. On m'a tabassé. Mon église, on te tape. Parce qu'à cause de la persécution, j'ai quitté la maison de mes parents parce que j'ai choisi Jésus. Je me suis retrouvé à l'âge de 17 ans. 17 ans, 17 ans et demi. Je me suis retrouvé déjà dans la Libanda. Je me suis allé chez le prophète Denis Lessi à l'âge de 17 ans. 17 ans, 18 ans. Vous comprenez? Donc, mon aîné dans la foi comprend. Donc, à l'âge de 17 ans, 18 ans. Parce que j'ai servi Dieu. Tout ce que j'ai, chemise, pantalon, tout ce que j'ai, même voiture, si j'ai eu à avoir une voiture, tout ce que j'ai, je l'ai reçu de Dieu. Faites attention. Quand vous pensez combattre un homme, les gens qui me connaissent connaissent l'histoire. Il y a des personnes où tu vois,
fingango cultiste, fingango magicien, fingango solingi. Moi, je ne passerai jamais na bando répondre yo tout ça la débat, je ne le ferai jamais. Oh, le kingandi a dit ceci, je ne le ferai jamais. Donc vous allez attendre, je ne le ferai jamais. Parce que mes émissions, quand je passe à la télé, je viens bénir de famille, je viens édifier. Je ne peux pas présenter la haine, je ne peux pas démontrer la haine. Les enfants de Dieu, tu m'as déjà posé des questions sur d'autres serviteurs de Dieu ici. J'ai toujours parlé avec amour parce qu'un enfant de Dieu, son langage déjà est un langage abolimo. Même les gens qui me babé nganga petit, babé nganga, c'est un malade mental. C'est un malade mental. Vous savez, quand les gens m'envoient des extraits là, c'est un malade mental. C'est ozo benga malade mental. Mon sel en zambé ka lokoyo. C'est un malade mental. Prie pour moi, que Dieu me change. Ayebi ma comité, enseigne-nous la parole. Bando le kan émission, oso enseigner la parole. Je serai le premier fidèle Yolanda. Donc je n'ai pas le temps à ça. J'ai le temps. Batouba na ba problème. Oh na na problème mukanda, j'ai le temps pour toi. Oh na na problème na obotate, j'ai le temps pour toi. Guerre na est, j'ai le temps pour ça. Mais j'ai Moutoumoura Finga et prophète Fulgence. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai le temps pour démontrer que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai le temps pour prêcher Jésus, prêcher la croix, prêcher qu'il y a eu un homme qui s'est livré à cause de nos péchés. J'ai le temps pour me mettre à genoux parce que maman Moura Bengengaya Zobotati. Maman Moura Bengenga moi la Naza Libouma. J'ai le temps. Écoutez, quand le prophète Fulgence passe à la télé, même les autorités, Bavanda Baoyo Kalinga Lobani. Ce que Baoyo Kanga, en train de répondre les gens, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Quand je viens ici, je viens pour bénir les gens. Amen. Et ça, le quoi, cher. Cher Nanga na te laka. Je ne réponds pas. Je résolve pas problème na cherté. Si les gens qui ont de problèmes avec moi, comment s'appelle la prophétesse et les autres là, appelez-moi, dites-moi prophète, yote a Yesu, a oloba ki boui ndengeni, vous comprenez? Ou bien, prophétie wana, Tibi Joshua, tu vois pas, ah, Seigneur, on est en train de diminuer l'évangile en fait, on est en train de diminuer le poids de serviteur de Dieu. Oh, tozo, comment on dit ça? On est en train de protéger le peuple de Dieu. Et hey, tout et tout. Écoutez, si Dieu te convainc que je suis son serviteur, tu viens avec moi. Si Dieu ne te convainc pas, ne viens pas avec moi. Je dis comme je suis, choisissez vous-même qui vous allez servir. Moi et ma famille, moi et ma descendance, nous servons le Dieu, l'Éternel. C'est même Dieu. Vous avez vu à Télémissa Bakoka, Tambolissa Bakoka, qui s'y pécac. Vous avez vu ce même Dieu. Il a prédit des choses. La prédiction, c'est le domaine de Dieu. C'est un mystère. Il a prédit des choses. Est-ce que le Congo en prédit? On prédit et ça le rabatoumabe ou bien c'est pour aider la population. C'est pour aider les gens. Azaka Moutakis, Siko, papa. Nazanakis, Yesuku Babenga Moutakis. Allez poser la question à la maman. Vous voyez la maman paralytique là, la dernière édition École de guérison. Qui est Yébissé. Prophète Fulgence avant prophétiser à l'Oba, elle dit devant. À l'Oba, elle dit devant. À l'Oba, elle dit derrière. Moi, j'étais paralytique. Je ne marchais pas. Il a prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je marche. Kende koluka papa ana oya aveugle. Oya ya qui École de guérison. Yébissé, prophète Swana Sambele la Kyoza Moutaba Kissi. Azamutuya, aide devant. Aide devant. Il te dira tout ce que je sais. J'étais aveugle. Je suis venu ici aveugle. Aujourd'hui, je vois. Yes. Allez chercher encore le paralytique de la première édition. Allez chercher tous ces malades-là. Ils vous diront tous ces gens qui sont chez moi sont là, pas par fanatisme. Sont là. Ils ont une expérience. Ils ont une expérience avec le Dieu Tout-Puissant. Ce ne sont pas des fanatiques. Ce ne sont pas des fanatiques. Vous allez faire des émissions. Vous allez faire des émissions. C'est que
peuple au nzamba tchana disposition nanga bozala ka yanga. Je le dis en français pour ceux qui nous suivent en Afrique. Faites les émissions, insultez le prophète Fulgence, critiquez le prophète Fulgence, mais le peuple que Dieu a donné à la disposition, à la charge du prophète Fulgence, resteront là pour lui. Ceux qui vont partir sont ceux que Dieu n'a pas destiné pour le prophète Fulgence. Ouais, vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, vous avez aussi besoin des âmes, donc vous avez besoin des autres. Mais bah, oyanga, nzamba tche nga na bénir bango, ils vont rester. Vivre à la bénédiction de Dieu. Tout ça, ce sont des distractions. Effectivement. Ce sont des distractions. Ce sont des distractions. Merci beaucoup, prophète. Je crois qu'aujourd'hui, je vous ai fait parler. Excusez-moi. Je demande pardon à beaucoup de gens. Ils m'ont dit, prophète, ne réponds pas. Je n'ai pas répondu. J'ai juste essayé de... Je n'ai pas le temps de répondre. Ma sœur, Dej, m'a dit... Ma sœur, j'étais à Lubumbashi. Ma sœur, Nadej, elle est venue à l'hôtel. Atali plein Ezaki dans l'hôtel. Il m'a dit, mon frère, prépare-toi aussi au combat. Je l'ai dit, j'ai toujours été prêt. Je n'ai pas eu le combat, Ça, c'est rien. Ça, c'est juste, ce sont des signes qui nous montrent que le diable ne veut pas que la guerre est ici là, dans le Congo. Parce que quand je passe ici, ce que je suis en train de faire, je le fais pour l'intérêt du Congo. Je le fais pour l'intérêt du Congo. Ce qu'il y a l'ingité que les gens viennent prier avec nous. Tu as empêché des gens de nous suivre. Donc, il y a un peu ça guérir quand tu viens en Congo. Tu comprends? Même si tu ne veux pas de moi, Nandima Kaeti, tu n'es pas obligé. Ce n'est pas tout le monde, Bandima Yesu. Mais en fait, je me pose la question, quel est l'esprit qui anime? Parce que ces gens qui font des critiques, c'est vrai, c'est pas mauvais. Mais on sent la haine, on sent la jalousie. Et en même temps, ces personnes ne nous proposent personne. Non, c'est pas la jalousie, c'est les pas la Les gens ont passé beaucoup de temps dans... Non, mais on sent quand même la haine. Parce que proposer qui est vrai? Parce que certainement, lorsqu'on parle de faux, il doit y avoir quand même un vrai. Alors, où est le vrai? Non, c'est pas la jalousie, c'est pas la haine. Il y a d'autres combats. Dieu lui-même suscite ces genres de combats. Dieu sait que le prophète Fulgence n'aime pas le média. J'aime pas le média. Alors, il faut que chaque jour, au moins, article moins bimala combat prophète Fulgence pour que son nom reste dans l'actualité. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite des gens. Tu sais, hein? J'ai vu une photo là. J'arrangeais ma veste. Ils ont encerclé quoi? Moi-même, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'ils ont encerclé? Juste la main qui arrangeait la veste. Tu vois que les gens, le mal et que les dangers, ce sont des serviteurs de Dieu. Quand c'est Dieu lui-même qui vous pousse à faire ça, faites attention. Moi, je n'ai jamais été contre que mes prophéties soient discernées. Je l'ai dit toujours ici. La prophétie doit être discernée, doit être analysée. Je prêche, ça fait 21 ans. Je ne suis pas chrétien, mais je prêche. Ça fait 21 ans. Donc, j'ai la connaissance de la parole, je ne peux pas m'enorgueillir. Mais si je passe dans les émissions de Papa Alain Dele, pas comme l'évangéliste Roger Bac, la Bible et tout démontrer les Écritures, c'est parce que simplement, la mission que j'ai, c'est de toucher ma couche nion soyabato. Si je suis trop Bible, les musulmans ne vont pas me suivre. Alors que, en venant chez Alain Dele, je parle de la nation. Bien que je suis basé dans le phare de la nation, Elobelinanga est musicien Olandanga. Elobelinanga politicien Olandanga, parce qu'ils sentent que ces messieurs ne condamnent pas. Mais ils appellent tout le monde. J'ai besoin de tout le monde. Et quand ces gens vont venir, c'est alors qu'on va leur présenter notre Christ. Vous voyez? Donc, Papa Alain, il faut même pas... Moi, j'étais étonné quand j'ai suivi. On m'a dit, Papa Alain a répondu. Prochainement, il ne faut pas répondre. Il faut laisser que les gens continuent à faire des émissions, C'est bien. Vous voyez, les gens aussi regardent et disent, ah, par exemple, Alobi, prophète Fulgence, Makambeko Kisami, après Alobi, Asakola Kiango. Les gens disent, t'es Asakola Kiango avant, Abimi Zoba. Ah, ok. Bon, non, il fallait que nous prophétisions sur place.
on présente les Écritures. Non, les Écritures disent ça, ça, ça. Bon, ils cherchent maintenant. Maintenant, là, ils sont en train de chercher maintenant. T'as oublié Missanine. Parce que tout ce qu'on est en train de prêter. Alors, il y a Lady devant. Lady, moi, si, sirène, mamie, wata, mon pépé. On corrige. C'est l'œil du devant. Et puis, vous tapez ça en commun. Mais il est avec vous là-bas, la diaspora. Appelez-le. L'apôtre Paul Mukendi. Écoutez, Abraham a appelé Jésus, a appelé Dieu Jéhovah Jireh. C'est par rapport à ce qu'il a vu de Dieu. L'apôtre Paul Mukendi, que je salue en passant, yé moua benganga, aïdi devant. Il sait pourquoi il m'a appelé aïdi devant. Kongola, Zuine, Ango et Panzani. Moi-même, je ne me suis jamais fait appeler aïdi devant. Tu vois? À part Mikolo, Onde, Somta benga, prophète, Fulgence Nabi, t'es faux, bah, que ça aïdi devant. Parce que l'invocation, c'est un secret. C'est une invocation comme au Maliban, c'est une invocation. Je dis, t'es faux, bah, que ça aïdi devant, voilà. Vous comprenez? Pourquoi aïdi devant? Parce que la plupart, avant, il y a des prophètes, il y a Congo, on est plus dans le passé. On dit des choses, on est plus dans la dimension de la parole des connaissances. Mais quand quelqu'un commence à prédire, vous voyez, je commençais la prédiction, j'étais encore enfant. J'ai prédit la mort de ma propre mère, j'ai souffert avec. Ça ne va me faire ni chaud ni froid, d'ailleurs ça va me faire rire. J'ai prédit des choses et qui s'amène à Moka ce qui est sur les réseaux sociaux n'est même pas 5% des histoires que j'ai prédit pour cette nation. Vous comprenez? Ce n'est même pas 5%. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on organise une activité prière, la guerre ici là? Pourquoi vous ne voulez pas? Si vous voulez me faire la guerre, attendez que je termine la prière pour la nation. Attendez que maman ana benganga na poto ana problème au bota na côté les mabonde lia bota maman ana benganga mwana na za problème autiste na sambela pona. Moi je suis là pour le peuple, je ne suis pas là pour la gloire, je ne suis pas là pour me faire un nom. Si je voulais me faire un nom, papa Alain, j'allais me faire un nom depuis très longtemps. Effectivement, depuis très longtemps. Moi je passe à la télé depuis 2001-2002 na les gars dans la TV tant prophète na loba na terre. Le prophète Timothée Lissassi, qui est maintenant, je crois qu'il a une église maintenant à Lemba, à Massina, qui était à l'Arche de Noé, à Yébissoko, dans l'émission, il va témoigner. Que moi déjà, j'ai passé à l'émission, j'étais tout petit, dans la taba veste et melingaï. Il y a des gens qui m'ont, la télé, la TV, les gens qui m'ont suivi à la télé, j'étais encore très petit. J'ai commencé la télé, je prêchais à la télé, le matin, je prêchais le soir. Donc, si je voulais me faire un nom, j'allais me faire un nom. Je ne cours pas après ça. Je cours après même l'affiche. Papa Alain, toi, tu le sais. Pour que affiche, les gens qui me connaissent, bah, yebi, je l'ai commencé l'année passée. Le baba bengsingana qui était à quelque part et longinanga est en affiche. Mais depuis que je sers à Dieu, je n'ai jamais accepté Natcha et longinanga en affiche. Et Sengaiba van disanga penza baloba. Donc je ne cours pas après la gloire, je ne cours pas après l'argent. Parce que personne de nous, des gens qui nous suivent sur les nets, ne me dira que na bengaye pour le demander de l'argent. Je n'ai jamais fait ça. Vous comprenez? Donc on est en train de servir Dieu. Tout continuer. Conseil la nzambe na biso. Donc voilà. Merci beaucoup, prophète. Alors je crois. J'ai beaucoup parlé. Non, non, c'est tout à fait normal parce que les gens voulaient quand même avoir votre point de vue aussi par rapport à tout ça. Parce que Kofan a gardé silence, c'est vrai, c'est bon, mais il y a certaines personnes qui voulaient à tout prix quand même vous entendre parler aussi de toutes ces choses. Alors nous allons changer de phase parce que certainement on a assez répondu quand même. Il y a l'est du pays. Dernièrement, vous avez parlé du sol. Je suis en train de suivre les informations. Nous avons des gens qui sont de l'autre côté. On nous apprend que l'eau est polluée. Depuis qu'il y a une éruption volcanique, le sol a connu des problèmes. Il y a des histoires qui se passent à l'est. Est-ce que vous avez déjà, parce que vous avez insisté, qu'il y ait une prière, qu'on organise une prière là-bas pour prier quand même pour le sol, le zoo et tout ça, tout ça. Je ne sais pas ce que vous avez. Il y a eu une réaction quand même. Les gens se sont portés garants. Pour organiser cela? Non. Non, jusque-là. Non. Non.
C'est ce que je vais faire moi-même. Moi-même, je vais le faire. Donc, après l'activité du 4, je vais aller à l'est du pays. Je vais faire... J'avais dit ça. Je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais en attendant, ce sont nos frères et sœurs qui en souffrent. Moi, je vais le faire. Je ne sais pas si on va me demander encore des autorisations pour ça. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que... Bon. Les gens pensent que je suis là pour me faire un nom. Je ne suis pas là pour me faire un nom. Je ne suis pas là pour me faire un nom. Je suis là pour servir mon Dieu. Et rien ne m'empêchera de servir mon Dieu. Je mourrai serviteur de Dieu. Je mourrai serviteur de Jésus-Christ et Nazareth. Je suis prêt à tout perdre pour Jésus. Et je suis prêt à tout perdre pour le Congo. Rien ne m'arrêtera de faire ce que Dieu me demande de faire pour mon pays et pour les familles qui me suivent. Ceux qui croient en moi, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne croient pas aussi en moi, que Dieu vous bénisse. Mais rien ne m'arrêtera de faire ce que Dieu me demande de faire. Déjà pour le 4 juillet à Chaubeuse, les gens se posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai, ça aura toujours lieu? Ou comment? Parce que déjà, il y a quand même des mesures qui ont été prises par rapport à tout cela. Prophète, l'événement est confirmé ou bien il y a modification par rapport à ces programmes? L'événement est confirmé. Excusez-moi d'être droit devant mon papa Lundélé. L'événement est confirmé. L'événement est confirmé le 4 juillet. On a activité, on va prier pour le Congo. On attend les autorisations, je reviens. Les autorisations, le chef, on a écrit à l'hôtel de ville. On a demandé l'autorisation que les autorités du pays nous autorisent à faire notre culte. Ce n'est pas une manifestation, c'est un culte. C'est-à-dire, on a déplacé l'église, tout ça, on a Chaubeuse. Parce que l'église est petite, Chaubeuse est grande. Ça nous permettra de faire des distanciations, vous voyez, pour respecter les mesures de barrière. À l'église, on ne saura pas. C'est pourquoi on a demandé l'autorisation pour Chaubeuse. On a écrit, on attend si le gouverneur va suivre cette émission. La lettre est déjà à son bureau. Et vraiment, on le fait pour le pays. Jusque-là, on est confirmé pour les 4. Voilà. Merci. Confirmé pour le 4 juillet à Chaubeuse. Alors, le rendez-vous est confirmé. Alors, nous vous attendons. Soyons nombreux. Parce que déjà, beaucoup de gens m'appellent. Parce que papa Alain, est-ce qu'il y a, pas, il y a modification? Comment ça craint? Parce que non, il y a... non, avec. On est en train de respecter. Comme je l'ai dit, on a écrit. Parce qu'il y a aussi ACK qui a une activité à Chaubeuse.
jusque là ASEKA n'a pas annulé. Il y a aussi, il y aura aussi un concert là, c'est pas annulé. Donc nous on a aussi écrit à l'hôtel de ville. Je suis plus à l'hôtel de ville, on attend la réponse des autorités, mais sinon on attend l'activité aura lieu le 4 juillet. Restez branchés, je crois toute la semaine je passerai pour vous donner l'évolution. Restez branchés, mais l'activité aura lieu le 4 juillet. En cas de changement, on passera pour vous informer, on attend. Mais jusque là, l'activité aura lieu le 4 juillet. Mais en cas de changement, en tout cas, je n'ai pas l'intention de repousser ça. Parce que repousser l'activité, et à l'oko là, je suis en train d'accepter guerre et pousse à l'issue. Moi, je sais que si les Congolais, on se met ensemble, on prie, Dieu va arrêter cette guerre. La Bible dit rien ne lui est impossible. Donc, si on prie, Dieu va arrêter cette guerre. Aujourd'hui, pense un peu à nos mamans qui ont perdu leur mari, aux enfants qui ont perdu leurs parents. Écoutez, moi, à l'église, j'ai quelqu'un, son père, à Kindaguer, à Zongate. Tu vois, maintenant, quand je vois ses frères tous les jours, tu vois ce que ça me fait. Et le jour où j'ai présenté cette vision, j'ai vu comment il était, comment ça l'a consolé, vous voyez. Les autorités, s'il vous plaît, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour le pays. On va respecter les mesures de barrière, on se fera accompagner par la police, on a fait déjà des lettres partout pour que les mesures de barrière soient respectées, mais seulement laissez-nous prier pour le pays. Si le président de la République va suivre cette émission, s'il vous plaît, laissez-nous vous accompagner. Laissez-nous accompagner l'état d'urgence dans la prière. Je suis le prophète qui a prophétisé sur l'état d'urgence il y a de cela 3 ans. Et le Seigneur m'avait demandé d'accompagner cet état d'urgence par la prière. Je n'ai pas demandé de soutien du gouvernement ou de la présidence pour organiser ça. On l'a fait avec le peuple. Le peuple a mis l'argent pour que cette activité ait lieu. On a déjà beaucoup dépensé pour l'organisation de l'activité. Le peuple qui souffre, a pèsi moi 10 dollars, moi 50, moi 100 na ya mawa. Misu batindi ba maputa, to meme la ba mama est. Aidez-nous que cette activité ait lieu. S'il vous plaît. Si réellement on aime ces pays, permettez-nous de faire cette activité. Les gestes de barrière seront respectés. La police peut venir superviser. Tout sera respecté, mais nous tenons à ce que cette activité ait lieu les 4. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'était un événement à ne pas manquer, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez d'ailleurs partout à travers le monde. Donc, prenons rendez-vous le 4 juillet à Chauveuse. Donc, ça sera les après-midi. Donc, juste après, vous pouvez aller prier dans votre église respective, bien sûr. Et après là, les après-midi, tous nous nous retrouvons à Chauveuse pour ces très grands mois, bien sûr, de prière où nous allons prier pour cette nation. On en a marre. Nini en aussi la gâté. On se pose cette question. Nini et si la gâté. Vous imaginez à l'Est ces pays qui se trouvent dans un état chaotique, un pays avec une situation très compliquée, un pays potentiellement riche avec un peuple extrêmement pauvre. Donc ici, ceux qui montent dans Mbongo, Azan Mbongo est belé, ceux qui montent pauvres, donc ça dit c'est vraiment la pauvreté intense là. Et on ne sait plus comment vivre. Vous imaginez que depuis que cette guerre a commencé, il y a ces gens qui ont fait pratiquement 20 ans en train de traverser que de misère, de misère en misère, qui n'ont jamais vécu la paix. Alors nous devons dire non. Surtout si tu as acquis ça, tout le monde a le colonel Congo sous qu'on a acquis ça. Non. S'il vous plaît, nous devons soutenir nos frères. C'est maintenant ou jamais. Le 4 juillet, c'est l'affaire de tous. Ça, je répète et j'insiste. Le 4 juillet, c'est l'affaire de tous. Tout Congolais ayant ce sens patriotique. Nous vous invitons ce jour-là à Chauveuse pour que nous puissions prier avec l'homme de Dieu tout en suivant le directif, bien sûr, parce que il a reçu le message de Dieu, il a reçu cette vision et nous, on est là, on l'accompagne et on écoute qu'est-ce que le Seigneur va nous dire. Il y a une personne qui m'a posé cette question, m'a dit, mais depuis un certain temps, l'Afrique
ne fait que basculer. Prophète, que vois-tu? Ben, en regardant ça, l'Afrique. J'avais dit ça, qu'est-ce que je vais dire encore? J'avais dit ça quand le président américain s'est ravouté, le président en place, la guerre va recommencer en Afrique. L'Afrique sera... Mais non. Ce que j'ai dit, quoi. Prions seulement pour l'Afrique. Après le Congo, comme on est en train de faire cette activité prière pour la nation, je suis invité au Bénin. On va le faire au Bénin. On va le faire partout où on a besoin de nous. On va venir. Je suis africain. Je suis africain. Donc, je suis pour l'Afrique. On va venir, on va prier et on va donner des directives aux autorités. Mmh. Et on veut que l'Afrique soit sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Voilà, on attend toujours. Il y a des gens qui déjà contribuent. Il y a des gens qui ont donné des vêtements. Il y a des gens qui ont donné aussi en espèces. On ne sait pas si on va louer l'avion pour toutes ces histoires. C'est comme ça que je commence déjà à avoir peur. Ceux qui ont des histoires en nature, c'est bien aussi, même mieux en espèces. Parce que louer l'avion encore, fréter des kilos pour ces histoires, ça va encore coûter beaucoup d'argent. À moins que le président de la République, quand il va suivre cette émission, ou bien les autorités du pays, se disent non, on dispose l'avion pour l'activité que le prophète veut faire. Là, on peut amener tout ce que vous donnez. Mais c'est déjà bien. Le panne, par exemple, la taliputa, mon côté éthique, la nion suékende. Mais des gens, par exemple, qui nous amènent des chaussures déjà à la talata. Et ça, après, on va bientôt la bombe à Sika. Tu vois, un peu. Qu'on les apporte des histoires vraiment que j'ai dépensé de mon argent. J'ai acheté une montre, Natsindeli Moutou. J'ai acheté, par exemple, ça. C'est brand new. On ne l'a jamais utilisé. Vous voyez? Que Dieu bénisse la personne qui a envoyé ça. Donc, maman, on garde ça. Parce que... Donc, voilà. On attend. On attend. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne m'arrêtera. On attend l'autorité et l'autorisation des autorités du pays. Et en dehors de ça, l'invitation aux généraux, l'invitation aux musiciens, aux artistes, je présente mes condoléances à nos artistes de théâtre parce qu'on a perdu notre maman Chaco. Oui. Vraiment, condoléances à sa famille, que Dieu soutienne la famille. Et vraiment, bah, tendance, nous sommes musiciens, footballeurs, venez, on va prier pour la nation. Là, tu as Varez, il y a Léopard, là, tu as Polo, il y a Fardessé, là, tu as donc, ça sera quelque chose où on va prier pour le pays. On va dire à l'est du pays, on va démontrer à nos frères qui sont à Béni que nous soutenons leur combat, nous soutenons ce qui se passe là-bas, ceux qui sont à Ituri. Et après, on va se rendre sur place. Voilà, ceux qui ont envoyé de l'argent aussi, merci à vous. Et continuez parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore faites. Donc, on attend vos contributions, on attend vos dons pour l'est du pays. Comme papa Alain l'a dit la dernière fois, le 4 juillet sera accompagné de l'appel de fonds. L'appel de fonds, Alain Salama, le 4, ce n'est pas l'argent que le prophète va utiliser pour acheter des vêtements. Non, ce n'est pas l'argent que le prophète va utiliser, c'est l'argent qu'on va mettre ensemble pour le frais de tous ces pagnes et autres, et puis l'argent qu'on ira avec à Goma. Disons, on va commencer par Béni, Ituri, et puis nous allons arriver à Goma aussi pour voir des familles qui sont là-bas, parce que je dois faire le service, prier pour le sol et prier pour l'eau à Goma. Et en dehors de ça, pour terminer, une parenthèse, juste après le 4 juillet, je vais me rendre à Lubumbashi pour 5 jours parce qu'il y a des gens qui voulaient aussi donner de choses à Lubumbashi. Ils m'ont exigé, je les ai demandé d'envoyer ici, ils m'ont exigé de descendre sur place à Lubumbashi. Donc après le 4 juillet, la semaine qui suivra, je serai à Lubumbashi pour prendre aussi vos dons. Et à partir de Lubumbashi, on va ramener ça à Kinshasa. De Kinshasa, directement, nous allons partir à l'est du pays. Voilà. Merci beaucoup, prophète. Sinon, ils se sont prononcés, le serviteur de Dieu. Bon, il y a certains serviteurs de Dieu qui se sont prononcés. Ben, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu, Otoyebi, Nakin, vraiment, Boé.
Il y a mon papa, lui aussi, il prie plus pour la nation. J'ai été marqué par lui. D'ailleurs, dans mon contrée, Angalima, c'est lui que je connais comme un prophète qui prie pour la nation et qui prophétise. Papa Bouchiri, donc je salue en passant. Et quand il nous a suivis, et il m'a invité à son bureau, j'étais choqué. Déjà, moi, je le vois très grand quand il m'a reçu. Pendant tout le temps que je parlais avec le prophète Bichir, moi, j'étais à genoux. Je parlais avec lui, parce que sa grandeur, c'est un père pour Ngaliema. J'étais à genoux. Et il a pris son enveloppe. Et il m'a dit, fils, je te soutiens dans ce que tu fais. Prions pour notre pays, je serai là. Il a pris l'enveloppe. L'enveloppe que j'ai reçue chez le prophète Bouchier. Depuis que je reçois, personne n'a donné comme lui. Et j'ai compris. Moi, j'ai compris directement que son cœur est attaché à la nation. Vous voyez, papa Alain peut donner 100 dollars, l'autre donne 500 dollars, l'autre donne 800, l'autre donne... Mais quand un serviteur de Dieu, un père, je dis « Sito Solana, Ngana, Ofukam », il ne m'a pas demandé de me mettre à genoux. Moi-même, je me sentais moine devant lui. Lui me parlait, moi j'étais à genoux. Il a sorti l'argent, il a donné. J'ai dit, papa, prie pour moi. Il dit, je donne cet argent pour ma famille. Nous soutenons ce que tu fais. Je serai là dans la salle. Continue avec ce que tu fais. Ce que les gens ne savent pas dire à haute voix, toi tu le dis. Nous prions pour toi. Accomplis ta mission. Que Dieu te bénisse. Voilà. Je salue aussi en passant s'il va suivre cette émission. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on sera nombreux et certainement, peut-être dans les jours à venir, certains serviteurs aussi vont quand même se joindre à vous pour enfin quand même nous puissions tous travailler parce que c'est l'affaire de tous, comme j'ai toujours dit. Ceci concerne tout le monde. Tout le monde. Et juste après l'événement, on va rentrer sur le même plateau pour vous faire quand même le rapport du déroulement, comment ça a été et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Parce que d'ailleurs, vous allez suivre cela en live sur Nouvelle Tendance Télévision, bien sûr. Merci à tous ceux qui sont en train de contribuer déjà. Alors, les quatre, ne manquez surtout pas. Ceux qui sont à Lubumbashi, c'est vrai, c'est une question d'ailleurs dont les gens m'ont dit, le prophète sera là quand? Vous avez dit c'est... Juste après... Après l'activité du 4. Du 4. Okay, je voulais partir avant le 4. Mm-hmm. Comme ça, après le 4, on monte directement. Mais bon, moi, je ne sais pas si tu me proposes quoi ou eux-mêmes proposent quoi. Mais moi, je pense le faire après le 4. Je ne sais pas. Mm-hmm. Que je reste à Kinshasa d'abord, organiser l'activité. Après le 4, je me rends à Lubumbashi. Ou bien, je pars d'abord à Lubumbashi avant le 4. Et pendant le préparatif et tout, on aura toujours besoin de moi. Et surtout que la date, l'hôtel de ville ne nous a pas encore confirmé. Mmh. Donc, on a plus besoin de moi encore à Kinshasa. Ok. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avançons. Les gens sont en train de contribuer déjà. Et vous avez demandé, ceux qui sont à Goma, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'il y a aussi des gens qui m'ont appelé de Goma pour me dire, mais nous sommes là, c'est vrai, on viendra nous rendre visite. Mais nous aussi, on a besoin de contribuer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui sont de l'autre côté là? Bon, ceux qui sont à Goma... Ceux qui sont à Goma, la contribution est pour Beni et Ituri. Mm. Si vous pensez envoyer, gloire à Dieu, ou si vous pensez attendre sur place, parce qu'on va arriver à Goma, oui. On va prier. Je demande juste aux serviteurs de Dieu de Goma, aux enfants de Dieu de Goma, de préparer mon arrivée à Goma pour les services. Je ne le ferai pas seul. Les services, on va prier pour la ville de Goma, on va prier pour les eaux, on va prier pour le sol. Donc, qu'on fasse un travail d'ensemble. Donc, contactez-moi par le numéro qui sera affiché et qu'on organise aussi ma descente à Goma. Merci beaucoup. Et ceux qui sont à Lubumbashi aussi, contactez-moi par mon numéro, les serviteurs de Dieu, qu'on organise aussi ma descente à Lubumbashi. On va prier aussi pour la ville de Lubumbashi et puis on ira à Goma. Merci beaucoup, prophète. Alors, je crois que ceux qui ont besoin de venir assister au culte, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire?
au culte de l'église Emmanuel Rafa, bien sûr. Ouais. Nous avons culte mercredi et vendredi. Mercredi, vendredi et dimanche. Dimanche, on commence les cultes à 9h et les cultes se terminent à 11h30. Le prophète reçoit que le dimanche après culte. Condition aussi. En condition que Yoki Maté Alanga. Assister d'abord. Assiste au culte. C'est-à-dire, tu crois en ma doctrine, tu crois à la parole de Dieu que nous prêchons. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent, qui n'ont pas l'obini pour nous. Yokanon Matéya. Dieu peut te parler aussi pendant la prédication. Donc, venez assister au culte le matin. Et puis après, je reçois toujours. Donc, le vendredi et le mercredi, on a culte aussi à partir de 16h. Le mercredi, ce sont des cultes d'enseignement. Le vendredi, ce sont des moments forts d'intercession. Et tout ça, Bela Likola Bitoko. Et dimanche, c'est culte d'action de grâce de 9h à 11h. Donc, merci aussi à ceux qui ont déjà contribué. Merci à ceux qui attendent aussi la fin du mois pour contribuer. Nous sommes tous des Congolais. Merci aussi aux autorités qui m'ont contacté, qui ont promis de contribuer pour cet événement. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Le numéro est là. Appelez-nous, on est disponible pour vous. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien, mesdames et messieurs, puisque nous croyons l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvez le prophète sur le plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. Donc, je répète, plus 243 82 50 60 70 ou 70 8 à la fin. Merci beaucoup. Infiniment merci à toute la grande équipe. Je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ok. Merci. Alors, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Entre la République démocratique du Congo face à cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme on a pendant la délivrance, je suis un journaliste sportif. Je remercie M. Alain Dele, la fondation, Alain Dele, Oya Sungakaba, Oyo Bazanga, Nako Senga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamo Tema Malam Balunga Kosunga Bani, ba soutenir la fondation Alain Dele. Ba mega peko sunga bato bazanga soki batumi baleto misatu bazana Congo lokola mesi alendele toko tombola Congo na biso tanton lobby tozo luka bat o bako soutenir Congo na remercier mesi alendele na fondation na ye mutu ayeba koza ayeba kapasi o bato bazanga akabila bino pe bato bazana mutema malambo meka kosunga bato bazanga chana 2020 Moussa il trouve qui les va en parler congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté merci nzambe asunga messi alende na fondationné merci.